qui s'injectent en fait permettent à l'eau de circuler plus facilement et plus simplement au travers du pavé. La conception, un pavé drainant pour lequel est créée une économie circulaire qui nous permet de valoriser des déchets coquillés, notamment de coquilles Saint-Jacques, de huîtres et de pétoncles. On intègre donc dans ce pavé pour pouvoir lui donner des vertus performantes dans le drainage. Les déchets coquillés sont issus d'une filière du nord de la France, Saint-Omer, de mémoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on consomme 450 000 tonnes de déchets coquillés issus de la consommation, qui nous permettent d'avoir une filière assez pérenne pour pouvoir broiser ce produit et les intégrer en lieu et place d'agrégats naturels. On est en charge de récolter de collecter les déchets une fois traités et puis de les intégrer via la formule de l'ITC dans la conception des pavés. On travaille en partenariat avec l'ITC de Caen. Et nous, on a pour but de commercialiser, d'industrialiser et de commercialiser le pavé coquillage. Alors, on a effectivement quelques sujets, quelques chantiers expérimentaux qui ont été menés à Caen et à Alençon, qui nous ont permis en fait, d'avoir des données factuelles, hors données numériques, qui sont plutôt théoriques, mais d'avoir des données concrètes sur les performances de drainage et des effets albédo notamment du produit. Et actuellement on est en recherche et on est sur le point d'avoir un site sur l'Île-de-France, Paris Intramuros notamment, pour pouvoir avoir des données une nouvelle fois factuelles et concrètes, hors données numériques, sur Paris-Île-de-France, qui va nous amener par la suite à pouvoir proposer des solutions pour lutter contre les îlots de chaleur et à terme créer des îlots de fraîcheur.